Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis c'est aujourd'hui à Rumilly une fois de plus que nous vous donnons rendez-vous pour suivre ensemble une nouvelle partie de ces championnats de ligue là, qui se déroulent ici depuis jeudi matin. Et aujourd'hui c'est la journée qui est réservée aux doublettes mixtes avec un plateau étincelant, Stéphane. Hein. Oui, bonjour à tous, salut Pierre. Effectivement, avec le soleil qui arrive sur Rumilly, on va pouvoir jouer dans de très bonnes... Enfin, les joueurs vont pouvoir jouer dans de très bonnes conditions. Et on va avoir la chance de commencer avec un champion du monde. Exactement. Et une championne d'Europe. Et un champion du monde, non seulement champion du monde, mais le recordman mondial avec Philippe Quintet du nombre de titres de champion du monde. Et il en détient 14, Philippe Suchot. C'est certainement le plus grand tireur de l'histoire de la pétanque là, que nous allons avoir encore une fois le plaisir de contempler pour cette partie où, en compagnie de Sandrine Poinceau, championne d'Europe, championne d'Europe doublette mixte. Et, sous les caméras de la web télé, vous listez notre. C'est ça. Et là, ils vont être opposés à une équipe de Haute-Loire qui vient de Paulhaguet. Émeric Chanson et Aurélie Delair. Mais Chanson et Suchot, ils se connaissent déjà, Stéphane. Oui, tout à fait. Chanson qui avait battu il y a quelques années, d'après Valérie Bertrand, notre ami président du comité de Haute-Loire, lors d'une une qualification à la Ligue. Donc, des joueurs qui ne sont pas en terrain inconnu. Allez, cette partie commence. C'est une partie de huitième de finale. Chaque jour, là, depuis jeudi, ce championnat de ligue, il va consacrer trois équipes supplémentaires, j'allais dire, hein, puisqu'il y a déjà un certain nombre d'équipes qui sont qualifiées dans leur département, et 12 exactement. Et puis là, on va attribuer encore trois tickets pour les championnats de France doublette mixte qui se dérouleront, vous le savez certainement, cet été à Souston. Et ces trois tickets, eh ben, ils seront distribués aux deux finalistes et puis également à l'équipe qui gagnera la petite finale, celle qui opposera les deux perdants des demi-finales. Mais on n'en est pas là, on n'en est qu'un huitième et on va avoir un choc qui promet là, entre cette belle équipe de Paulhaguet et puis celle de Philippe Suchot. Voilà, et c'est Sandrine Poinceau qui entame cette rencontre. C'est bien entamé pour Aurélie Delair. Et boum. Et c'est bien entamé pour Philippe Suchot. Alors, Philippe Suchot, des fois, on le voit faire des départs en demi-teinte, là, mais là, c'est très, très bien tiré, puisqu'il s'est mis en première position. Et Sandrine Poinceau qui n'ont pas fait de détails ce matin en poule, se sont qualifiés rapidement avec une poule qui pourtant était d'un très bon niveau. Ah, c'est bien joué. Bien joué, une boule intéressante pour Delair parce que elle est positionnée en contre. Et en troisième position, c'est la deuxième boule de l'air. Le contre n'a pas eu lieu et c'est le nouveau carreau de Suchot qui démarre tambour battant à cette rencontre. Ouais. Évidemment, on vous en a pas parlé, mais vous l'avez reconnu, hein, ce fameux terrain de la web télé Bouliste Note. Qui est bien dompté pour l'instant par les joueurs de Paulhaguet. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, par contre, il a un petit peu séché au fil des jours, hein, ce terrain. On l'a vu rendre fou les joueurs et les joueuses là, jeudi.
carton plein hein, pour Suchot dès la première semaine. Alors, un seul point hein, au sol pour les sociétaires d'Arlan, dans le Puy de Dôme, hein, le club cher à Dominique Uzay. Allez, deux boules à deux. Hein, c'est arrivé. Alors, moi, je le découvre, hein, Aymeric Chanson. C'est un joueur. Je ne fais pas dans le détail. Je doute qu'il prenne un carton pour dépasser maintenant la minute. Hein. Ça n'arrivera pas, à mon avis. Un beau gabarit. Hein, de... ouais, c'est ça, un beau bébé. Est-ce qu'il n'aura pas de difficulté pour envoyer les boules à 10 mètres? C'est ça. Et on l'a vu aussi tirer quelques boules. C'est un style explosif. Là, il a un petit peu trop enroulé sa boule. Mais on sent quand même que le terrain est plus poudreux hein, que l'autre jour. Parce qu'il est devenu un petit peu plus facile, en fait, si on peut employer ce mot. Hein, parce que quand même, c'est... là, on est quand même dans un champ de mine. Hein. Allez, dernière boule de la main. Alors, le bouchon a un petit peu bougé. Deux ou trois? Trois. Bien entendu, trois. Un temps de confirmation quand même. Ben, six boules jouées pour Poinceau et Suchot. Un gros départ, score est logique. Je vous rappelle hein, que vous pouvez suivre tous les résultats sur l'application Boulist Note avec le suivi des parties et puis les huitièmes et puis déjà des équipes qui sont en quart de finale. Donc on avance dans cette compétition et tu l'as dit, trois places pour les championnats de France. Belle reprise et Suchot qui repart. C'est 100% pour l'instant pour Philippe Suchot. Allez, on s'est concerté. Pointé parce que vous l'avez vu, les boules des joueurs de Poulaguet sont en 3e et 4e position. Et peut-être, c'est peut-être Poinceau qui est en 4e position maintenant. Voilà.
Alors, mène un petit peu moins bonne pour Sandrine Poinceau, là. On n'aura pas fait compter ces deux dernières boules. Ça va arriver de haut. Émeric Chanson qui n'avait pas tiré la première main, donc il faut qu'il se mette en route. Boum, voilà. Je parlais de style explosif tout à l'heure, mais là on en a une illustration. Eh bien, 3 points, tout est OK maintenant, sur le score et sur nos micros, Pierre. Exactement, on est en train de résoudre un petit problème technique. Et là, c'est fait. Eh bien, réponse du berger à la bergère. On savait que c'était une équipe qui pouvait rivaliser, là, elle vient de le démontrer. Elle a une très bonne technique pour ce jeu, Aurélie Delair, hein, avec des boules un petit peu envoyées aux deux tiers du terrain, un petit peu bassettes, avec de la rotation. Elle ne s'éloigne jamais beaucoup. Ah, c'est aussi le cas de Poinceau, mais dans un style très différent. Elle envoie la boule. Alors, cette boule qui a tourné un petit peu la fin, mais qui a gagné. Ah oui. Ce sont de très bons points, hein, on joue à 9 mètres. Boum. Ah, c'est ce qu'on a vu, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure quand Emeric Chanson s'est chauffé. Un joueur qui était bien dans la boule avec une belle courbe. On risque de le voir produire encore quelques carreaux de ce genre. C'est bien joué, ça va permettre à Suchot de tirer. Carton plein pour l'instant pour Suchot. Chanson peut tirer lui aussi. Après on ne fera pas. Sur la droite. Alors, il peut encore tirer, mais ça devient délicat parce que vous le voyez, la boule de Delair est en contre. Alors 3 boules à 3, le point pour Suchot. Je pense que si elle était restée devant en plein jeu sans le gagner, on serait peut-être allé au tir, mais là avec deux boules derrière, c'est deux boules qui peuvent prendre contre. Ouais, et puis surtout, il y a 3 boules en face qui sont potentiellement 3 boules de tir, donc on peut fermer la boutique. Je pense que c'est la décision la plus sage, hein. Ils sont 3 à 3. Mais...
les joueurs de la Haute-Loire. Ouh là, c'est le petit Rami inattendu parce que là, par contre, elle avait complètement traversé le jeu, Aurélie Dallaire. Si le bouchon n'avait pas bougé, elle aurait perdu le carreau de Suchot. Hein. Ouais, elle en a fait deux. Hein. Et c'est ça, elle en a fait deux et elle a disqualifié le carreau de Suchot. Ils vont tirer la première qui est derrière. Plus cette boule derrière elle est sur une petite bosse, pas droit. Ouais, on a battu les cartes, là. Ou redistribué plutôt les cartes. Parce que là maintenant on est deux boules à une, mais deux points pour les joueurs de la Haute-Loire, avec un très beau point, 25 derrière. Et puis en plus elle a un beau sapin en plein jeu. Regardez s'il y avait un point en frappant ou deux. Mais je crois que c'est un. Ou encore un cas, un palais. Bien tiré, ça sera certainement deux points. Ah, c'est un très beau duel d'artilleur. C'est tout ce qu'on demandait. Tout de suite compris, Suchot et Poinceau, qu'il va falloir s'employer pour se sortir de cette partie. Hein. Je crois qu'il le savait, hein, parce que comme tu le disais tout à l'heure, les deux tireurs se connaissent. Je pense qu'un tireur comme Aymeric Chanson doit être connu dans toute la région. Suivi de près par madame l'arbitre. Ah, c'est bien joué. Ah, depuis ce matin, elle envoie très très bien les boules, Sandrine Poinceau. Ouais, c'était le pied qui débordait un petit peu du cercle. Pour Aurélie. De l'air. C'est le genre de truc qui fait pas plaisir. Hein. On va demander, là on s'excuse parce qu'on n'est pas des experts de la mode, donc on risque de ne pas pouvoir répondre à ce genre de questions. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu particulier, mais bon, Borsalino et tenue sportive, pourquoi pas. Si je peux y mettre un avis, moi je pense que ce qui compte c'est la qualité du jeu. C'est ça qui détermine avant tout si on assiste à du sport ou non.
Alors, situation qui pose question aux joueurs de Paul Hagel. On a vraiment pris le temps de la réflexion. Ben oui, parce que maintenant, de toute façon, la deuxième boule de Delair quand même ferme un petit peu la porte. Hein. Enfin, c'est un verrou. La seule chose qui peut se passer, c'est que s'il y a un tir à un moment, le bouchon peut démarrer. C'est certainement ce qu'a voulu éviter Chanson. Allez, on va essayer de... Alors ça, c'est pas la meilleure chose qu'il pouvait faire, Eric Chanson. Non, parce qu'il a... Il avait vraiment un atout maître là, avec ce devant de boule de l'air. Je sais pas si on peut dire qu'il a ouvert le jeu, mais c'est vrai que maintenant, pour l'instant, il n'y a plus de crainte de jouer en face de la boule, enfin, quand ça sera autour des bleus et jaunes. Ah ben, il remet la même. Ben voilà, tiens. beaucoup de boules entre les mains de Suchot et Poinceau, mais quand même une main difficile à négocier parce que c'est pas trop ce qu'il faut décider. Hein. On va très certainement essayer d'ajouter quoi. À moins que Suchot prenne le risque de tirer, mais je ne crois pas. Essayer de choisir aussi de tirer sur la boule qui est à gauche au cas où il fait un petit palais. On va savoir tout de suite ce qu'il a décidé. Ah non, voilà, il a pris le risque de tirer à la boule à la plus près. C'est vrai qu'elle ne collait pas, hein, donc s'il a la chance de l'écarter, ça... C'est ça, le bouchon pouvait aussi bouger, mais quand même, c'était une belle prise de risque, en tout cas qui n'a rien produit, hein, puisqu'il a manqué. Maintenant, on va essayer de faire un deuxième point, tout simplement. Elle va jouer au milieu parce qu'il lui a dit si tu la rentres, c'est pas grave. C'est ça, donc elle arrive pour Sandrine Poinceau, c'est pas. Ah ben, alors là, c'est pas gêné du tout. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? On est un petit peu loin pour vous le dire. Il semblerait quand même qu'elle soit en troisième position, voire en deuxième. Certainement en troisième position. On va mesurer. Ouais. Il ne s'attendait pas à sa chanson. Hein. En voyant Poinceau pointer, là, il ne s'attendait pas à ce qu'il mette vraiment un tel coup de tête dans sa boule. Allez, donc elle est sûrement en quatrième position. Il doit falloir tirer deux fois pour le faire rentrer la boule de Poinceau. Et donc on va pointer à nouveau. Ouais, mais là maintenant elle peut pointer un petit peu plus tranquillement puisqu'il n'y a plus la boule adverse, hein, elle peut jouer avec la sienne. Elle a bien envoyé déjà deux fois. Et voilà trois. Ça c'est bien. Alors deux points. Ça c'est très bien joué parce que elle n'a pas envoyé un train, mais c'est pas gêné, elle était un petit peu longue, elle a tamponné. C'est comme ça qu'il fallait essayer. Il fallait surtout pas laisser une boule courte en plein jeu pour handicaper ce show. Alors là, il y avait de la rotation. Celle-là, il l'a bloquée tout au poignet. Et celle-là aussi. Superbe, c'est une très très belle négociation de main, hein. On le disait tout à l'heure, la main n'est pas facile du tout. Alors ça a été un petit peu favorisé par la réussite de Poinceau, mais quand même 4 points c'était vraiment le maximum de ce qu'on pouvait espérer. Et c'est Chou qui nous a confirmé qu'il était bien le meilleur pointeur des tireurs. Réputation qu'il a depuis pas mal d'années, mais qui s'est quand même confirmée. C'est ça. 7-5 pour Suchot.
et un jeu à 8,50 m. Allez, courte cette fois-ci. Ah, ça paye à sa façon de jouer Aurélie Dehaere. Elle tient bien ses boules, bien enroulées, un petit peu bassette. Et du coup, elle tire droit et n'est jamais, jamais loin du bouchon. Certainement pointé encore, hein, parce qu'on a bien compris que les deux points de Poinceau là, sont largement à la portée de Aurélie Dehaere. Un petit peu court de fois, hein, je pense, Sandrine Poinceau. Je pense que si la deuxième reste dans le jeu, on serait peut-être allé tirer. Ah mais on sait quand même ce qu'on va faire. En frappant, on est sûr de faire, enfin, on est sûr de faire jouer en attrapant, bien évidemment. Ce qu'on pensait peut se produire. Même chez Suchot, on a pensé que Dehaere allait gagner ses points chaque fois. Voilà, sans problème. Puis on voit, là, elle a une tenue, elle sort la boule bien droite, et elle sait ce qu'elle fait, elle est sûre de ce qu'elle fait, hein, c'est sûr. Et dans ces cas-là, il y a même besoin d'un petit carreau et c'est chaud de le faire. C'est un petit peu un palais, là. Je fais attention à mon langage pour les puristes. Hein. En tout cas, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, c'est chaud, on possède un point bien meilleur. Hein. Celui-là, il peut se perdre. Ah, il est un peu plus levé. Et oui, mais elle avait encore gagné les points de Poinceau. Hein. Trois boules pour deux pour Chanson. Logiquement, il devrait tirer. Oh là là, quel cachou. Il ne fait pas dans la dentelle. Hein. Alors, il n'y a peut-être qu'un point. Mais en tout cas, dans le pire des cas, la boule de Chanson est en troisième position. Allez, le jeu est ouvert, il faut qu'elle envoie au niveau de ses boules. Alors, c'est une boule qui a dû passer. Et elle est peut-être même passée du carreau de Chanson. Ça voudrait dire que pour l'instant, il en a deux en frappant, le tireur de Haute-Loire. C'est magnifique. Encore une boule bien bien bloquée. Il ne s'embarrasse pas de détails, hein, Chanson. Lui, il n'est même pas allé boucher le trou devant la boule. Ouh là là, il a marqué complètement sur le côté. Ça, c'est une marque qui était inespérée pour Suchot et Poinceau. Normalement, si la mène s'était déroulée comme l'espéraient les joueurs de Paul Agué, ben, c'était une mène de pour remettre les pendules à l'heure, tout simplement. Et puis là, c'est 8-5 toujours pour Suchot. Ça, c'est un point qu'on n'espérait plus.
parce que ça pouvait être cher. Hein. Si cadrer sa première chanson, ils se sont retrouvés avec trois en frappant. Sur deux beaux tirs, ça pouvait faire une grosse manne. Ouais, ils pouvaient passer à 8 à 7 et à la sortie, ils sont 5 à 8. Hein. Donc c'est vrai que c'est mi-parti comme ça. Il ne faudrait pas qu'il ait à se rappeler de ces deux trous là. C'est ça, et dans ces cas-là, quand le tireur vient de faire ça, ben, le pointeur va plutôt pointer sur ce genre de poil, pour pas le solliciter à nouveau. Là. C'est ce que fait Aurélie Dolère. Oh, superbe. Ah, elle maîtrise son sujet, Aurélie Delaire. C'est pour l'instant une des meilleures pointeuses qu'on ait vues de ces 4 jours. Ouh là là, ça c'est. Ça c'est un mauvais cas de figure, hein, parce que ce contre il n'était pas du tout évident. C'est Chou qui entame encore cette main déjà avec un déficit de boules. Ah oui, ça met les hauts ligériens à 5 boules à 3, c'est confortable. Elle l'a pas poussé celle-ci, elle a un petit peu plus monté, m'a semblé. Et puis il n'est pas bon hein, son point, donc ça veut dire qu'on va quand même hésiter à partir tirer. On peut partir tirer avec 4 boules contre 3, mais... ça veut dire qu'il faudra frapper chaque fois, donc on préfère certainement que Delaire fasse la reprise. Et bien c'est fait. Allez, 3 boules à 3, le point pour la Haute-Loire. Et Suchot dans le rond. Ouh, sauté. Il voulait faire un carreau, hein, Suchot, parce qu'il sentait qu'il fallait un petit peu fermer la main. Et voilà, parfois ça donne ça. Donc là, il va être confortable, un brick chanson. Oui, surtout que le point n'est pas gagné encore. Hein. 30 sur le côté comme ça. Bon, ça c'est parfait. Parfait et puis intéressant parce que cette boule, elle s'est cachée derrière le but. C'est que ce sont des boules qui ne sont pas du tout faciles à tirer. Alors le but qui a encore bougé. Il a bougé mais il tire pour 3, hein, Chanson. Donc en frappant deux fois, il a encore une très belle main. Là, c'est une très grosse boule qu'il va avoir. Hein. C'est tout simplement une boule de, une boule pour passer en tête. Ouais, oui, il fait trou, il fait carreau au palais. Hein. C'est à peu près ça le, pour l'instant le résultat. Ah oui, ce qui est sûr, c'est que c'est un gros client. Hein. Alors boule à boule et à la Haute-Loire qui va défendre 4 points. Et ben là, voilà un des tirs de la partie hein, effectué par Chanson. 4 en frappant, 5 au carreau. Aïe 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 aïe. Ça a commencé à tourner à sa tête, hein, parce que c'est entre la main précédente et celle-là, là, il pourrait en avoir 11 ou 12 chansons. Et puis il aurait pu encore repartir avec le score s'il tirait simplement pour ajouter que le point était resté chez lui, mais la centaine de points soit avait repris en plus. Donc
Encore tu. Ah tu... Oui, mais le score, enfin, ça importait peu. Oui, oui, mais. C'était prendre cette main qui était vraiment la main de la partie hein, pour les joueurs de Paul Aguirre. Allez, 7ème main, 9 à 5 pour Suchot. Et ça joue très très vite parce qu'on est même pas une de... enfin, on vient de dépasser la demi-heure de jeu. Oui, bah, il joue vite aussi parce que dans ces cas-là, il faut jouer vite. Hein, parce que, comme le disaient les anciens joueurs, quand le coup va bien, joue vite. Et quand le coup va mal, ralentit. Là, quand on a bénéficié de ce genre de main, on jette vite le bouchon et la première boule. Ah, il continue à très bien jouer Aurélie Delair. Allez, elle tient la baraque et puis elle a même quelques mots pour son tireur là, qui en a bien besoin. Alors, Fontaine Poinceau, c'est pas qu'elle pointe mal, mais elle est un petit peu plus loin. Ça pointe très bien, hein, mais pour l'instant, c'est avantage à Delair. Hein. Qui a failli faire coup double. Hein. Non, ben c'est pas ce qu'on souhaitait. Entre la boule et la caméra, on n'est pas passé très loin. Alors, elle avait très beau jeu, Sandrine Poinceau, parce qu'elle pouvait que se faire du bien en rencontrant une de ses boules. Sert de la petite. Alors un peu court, mais je pense que Durand il peut l'avoir tapé. Hein, la boule qui s'est pas très bien donnée, qui est partie sur le côté, mais il était vraiment droit à la boule. Et bien la main qui va un petit peu se. Pas encore se retourner, mais. C'est Chou Poinceau qui sont plutôt en bonne. Eh ben, on n'avait pas vu venir celle-ci, hein. Trois trous dans la main, ouais. Ni plus chanson, j'ai peur qu'il soit un petit peu sorti de sa partie avec ses deux mains manquées. Et maintenant, il faut absolument qu'Aurélie vienne se mélanger, hein, parce qu'on est deux fois en second. Oh, c'est bien joué. Ouais. C'est dommage ce qui se passe pour Aurélie Delair parce que franchement elle fait une partie superbe. Là, il faudrait quand même peut-être encore une boule qui rentre des deux points de Sandrine Poinceau. Se mettre un petit peu à l'abri. C'est très très bien joué. Elle a joué parfaitement droit, bien entre les deux boules. C'est remarquable. Le terrain qui ne pose aucun problème hein, jusqu'à présent. Moi, c'est une joueuse qui m'épate. Hein. Alors, peut-être que son chapeau ne plaît pas à certains, mais moi, son jeu, il me plaît. Alors, j'ai l'impression que Suchot va déjà tirer la.
la boule de droite là pour sur votre écran. Là, il va voir si les deux partent. Hein. Ah voilà, il pouvait faire un petit ciseau. C'est ce qu'il a essayé. Là, il va encore essayer hein, parce qu'il peut encore faire un petit ciseau. Ah, il l'a peut-être fait. C'était peut-être fait. Et c'est peut-être fait. On va mesurer. Ah, il y en a trois, c'est ça. Ah oui. Eh bien, il nous a sorti du grand chuchot encore. Parce que là, c'était. Vouloir frapper trois fois avec deux boules, c'était un pari osé. Mais il est réussi. Voilà, Marc. Et bien alors, elle joue à 6 mètres. Jeu à 6 mètres. C'est bien le premier qu'on voit dans 4 jours, hein, de jeu à 6 mètres. On n'en a pas vu beaucoup. La machine s'est enrayée. Hein. Ah, oui, c'est triste parce qu'on sent que c'est un garçon qui a un gros potentiel hein, et qui est passé à côté de cette partie. Ah, il a démarré très très fort. Hein. J'allais dire, hein, parce qu'il avait quand même des très grosses opportunités. Hein. Enfin, c'est ça la pétanque. Hein. Il y a des trains qui passent, on monte dedans ou pas. Alors, qualification pour les quarts de finale de la troisième équipe dans ce Super Mix. En tout cas, ça fait un peu de peine pour Aurélie Delair hein, qui continue à très bien jouer. Ah non, on n'est plus du tout dans le match. Hein, le match en zone. Et donc on commence à se poser la question de savoir si on ne va pas tirer au but. Hein, parce que la main est mal engagée, mais alors le but, il faut qu'il fasse, une dizaine de mètres pour se noyer. Donc dans ces jeux, c'est aussi un petit peu mission impossible. Allez, on va savoir tout de suite ce qu'ils ont décidé, les joueurs de Paul Gué. Et voilà, il a tiré au bouchon, il l'a juste fauté. Je crois que la partie est bientôt finie, Stéphane. Je vois pas par quel miracle là, il pourrait s'en sortir. Il a encore une. Il y a deux boules à sa partenaire qui n'a pas encore tiré. Je pense qu'il va l'envoyer tir au but. Hein. Le but peut partir au fond, mais bon, 5, 2 boules à 5. Ça fera une boule à 5 quand elle aura joué la sienne. Donc, ça paraît un peu difficile. C'est bien essayé. Non, eh bien je crois que Poinceau Suchot qui ont tremblé un petit peu dans cette partie, hein, jusqu'à mi-partie. Je crois que là, elle va jouer, mais elle aurait pu leur serrer la main. Vont s'en sortir. Je ne suis pas sûr que le score reflète vraiment la partie, mais effectivement, le tireur qui avait démarré très très fort, et malheureusement, c'est un petit peu éteint là. Comme tu l'as dit, il a surtout loupé les grosses mains. Hein. Je pense que dans la tête, ça a dû compter. Et puis trois trous à l'avant-dernière main. Donc, c'est quand même difficile de s'en sortir avec un Suchot qui n'a pas beaucoup manqué. C'est Et ça. Voilà, c'est fait. On a presque tout dit hein, déjà dans cette partie-là. On a senti au début hein, qu'il pouvait y avoir quand même une confrontation puis une résistance. Absolument, et... absolument. On a vu le potentiel en tout cas qu'avait... Emmerich Chanson, et puis moi j'ai été vraiment emballé par Aurélie Delair, hein, cette,
Elle a joué carrément sa chance, mais évidemment, en face d'eux, il y avait quand même quelqu'un qui est 14 fois champion du monde et puis la championne d'Europe de doublette mixte en titre. Donc c'était une partie où on avait des occasions, enfin, du côté de la Haute-Loire, on pouvait les saisir, mais une fois qu'on ne les saisit pas, ils n'avaient plus aucune chance. C'était déjà très très beau, je pense, d'avoir ces mains-là et d'avoir ces occasions-là. Voilà, c'est quand on ne les a pas saisis, ils ont perdu, c'est le résultat tout à fait logique, Stéphane. Oui, rien à rajouter, c'est parfait. La joueuse de la partie, ben, c'est peut-être le titre, est peut-être pas mal, je pense, peut-être. Hein. On a remarqué, c'est vrai que Suchot nous a fait une petite suchonade à la fin, là, à l'avant-dernière main, il a très bien tiré. Qu'en penses-tu, Pierre? Bah, moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a Suchot dans une partie et qu'il joue le niveau qu'on a l'habitude de voir, on a tendance à dire que c'est le joueur de la partie, moi, la perte. Quand même la joueuse que j'ai vue se mettre en exergue le plus et être constante, régulière et combattante, c'était Aurélie Delair. Alors j'hésite un peu, bon, on va, comme c'est une doublette mixte, moi je vais dire que la meilleure doublette c'était Chouchou Delair. Voilà, et bien ça sera la conclusion de ce 8e de finale. On vous remercie, vous avez été très nombreux à nous suivre et puis on va vous donner rendez-vous dans quelques instants pour un quart de finale. Ou peut-être un autre 8e parce qu'il y a une partie qui est très très en retard dans les poules où Mona Béji et Alex Mallet ont du mal à s'en sortir et donc ils vont simplement jouer les 8e de finale s'ils sortent de leur poule. Voilà, quelle partie on a, vous allez le découvrir dans quelques instants, mais toujours sur la Web TV Boulistonante, bien sûr. C'est ça, à tout à l'heure, merci. À 15h, rendez-vous à la table de marche.